les quantités, je les ai fait un peu au hasard. J'ai considéré, vu la profondeur de mon gabion qui faisait 15 cm, qui était à peu près l'épaisseur du sac, qu'il me fallait, pour celui-ci qui fait 85 cm, qu'il devait m'en falloir deux. Parce que malheureusement, il n'y a pas de volume indiqué sur les sacs de galets. Donc même si on calcule le volume du gabion, c'est un peu au pif. À soi de faire ses propres évaluations. Qu'on fasse du jardinage ou de l'aménagement, quand même faire attention à son dos, on est souvent plié en deux. Il vaut mieux prendre des précautions. Essayer de le remplir le mieux possible. Comme ça, je ne risque pas de voir mes enfants me les vider.